La Maison-Blanche lève les sanctions qui visaient trois compagnies russes liées à Oleg Deripaska. Une décision que Washington a justifiée ce lundi par la mainmise réduite de l'oligarque proche de Vladimir Poutine et qui reste visée par des mesures restrictives. Le Congrès à majorité démocrate s'est opposé à cette initiative qui concerne notamment le géant de l'aluminium Roussal et sa filiale EN+, compte tenu des relations d'affaires qui existaient entre Oleg Deripaska et Paul Manafort. L'ancien directeur de campagne du président américain Donald Trump avait décidé de plaider coupable après sa mise en cause dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.